Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau salue, il vous salue, voilà voilà. Aujourd'hui chers amis, nous sommes lundi, on va donc aller chercher le message de vos autres. Pour faire cette guidance, je vais utiliser en carte de base le voyageur sacré de Denise Lynn, j'ai du mal à parler là. Et puis ensuite pour aller chercher les messages de vos autres, je vais utiliser les portes des mondes mystiques également de Denise Lynn, mais je vais prendre aussi l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que votre autre a raconté aujourd'hui. On ne perd pas de temps. On va aller regarder ça tout de suite. Alors, on va voir un petit peu dans quelles énergies on se situe. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous? Ah, ça parle tout de suite, j'aime bien. La grande aventure, waouh! Prendre un risque, prendre l'initiative, waouh! Donc là, vos autres, hein, très honnêtement, ils sont quand même sérieusement en train d'avoir l'envie de partir à l'aventure et de la grande aventure, mais je dirais que c'est avec vous. C'est vraiment ce que je ressens. Il peut y avoir, ouais, le prendre le risque, les guides sont en train de me dire, prendre le risque de déclarer ses sentiments, qu'ils soient réciproques ou non, prendre le risque de s'engager, il peut y avoir de réels engagements, si jusque là c'était un petit peu, on était un petit peu dans le domaine du flirt et que votre autre avait un peu de mal à s'engager, là en l'occurrence il va avoir envie de prendre le risque de s'engager avec vous. Il voit ça comme une grande aventure, mais il voit ça également comme étant prêt. Ce que je ressens là, c'est que il est... C'est beaucoup plus concevable pour lui ou pour elle, pour cette personne, de prendre ce risque plutôt que de ne pas le prendre et de le regretter. Donc là, en l'occurrence, il peut y avoir vraiment cette notion de « j'ai envie d'aller plus loin avec toi ». Ouais, c'est vraiment ce que je ressens, c'est là « j'ai envie d'aller plus loin avec toi ». C'est chouette. Bon, super, 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 super. Il peut y avoir une notion de triangulaire aussi. Hein. Une aventure, là en l'occurrence, hein, moi ça me fait penser aussi aux triangulaires qui n'ont pas encore démarré. Triangulaire, il y a de l'affection, il y a de l'attirance, il y a de l'attachement. Et en l'occurrence, je dirais que cette personne, quand bien même elle soit déjà engagée, va peut-être avoir envie, va peut-être avoir envie de se lancer dans une triangulaire, mais est concrète et consommée. Bon, on va voir. On va voir un petit peu ce qu'il a raconté, là, cet autre. Alors. Ouais. Là, en dos de deck, j'ai resté ferme, en l'occurrence, hein, ce grand pas en avant, se jeter dans le vide, partir à l'aventure, aller dans... Prendre ce risque avec vous, c'est quelque chose qui est bien ancré, c'est quelque chose qui est ferme et définitif, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est à partir du moment où cette personne va faire le premier pas, il n'y aura pas de retour en arrière. Je dirais même que dans son esprit, je ressens et on me montre un alignement. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord, la tête, le cœur, l'âme, tout le monde est d'accord et ça reste ferme sur ses positions. Waouh, super, super, super. Alors, quels sont les messages là de leurs autres pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Ouais, il y a des beaux messages, il va y avoir des beaux messages là aujourd'hui. Ça parle tout de suite. Ah ouais, mais ça parle. Hein. Ça parle, ça parle, ça parle. Alors, quels sont les messages que leurs autres ont à transmettre aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Non, avec ce jeu-là, ce sera tout, il n'y en aura plus. Attendre des miracles. Bon, là, en l'occurrence, il y a des véritables miracles qui se préparent pour vous. Les miracles foisonnent dans votre vie, hein, d'accord? Et là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion que vous ne vous attendez absolument pas à ce que cet autre vire de cap à ce point vis-à-vis de vous. Et c'est-à-dire qu'il y a presque quelque chose que vous attendez depuis des mois, voire peut-être même des années, qui va enfin se produire vis-à-vis de cette personne. Hein, d'accord? Vraiment, il y a cette notion-là. Je vais regarder un petit peu. Se lancer à l'aventure. Hein. Vraiment, 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 vraiment.
Alors, là, ce que j'entends avec toi, j'ai envie de me lancer dans la grande aventure de la vie. J'ai envie de m'engager. J'ai envie de te le dire et de te le déclarer. Il y en a un qui est en train de me dire là, tu n'es pas au courant de ce que je ressens pour toi. Tu es à des années-lumière de savoir ce que je ressens réellement pour toi. Mais ce secret me grignote. J'ai besoin de m'en libérer et j'ai besoin de t'avouer les sentiments en moi qui vibrent pour toi. Ce sera ça ma libération. J'espère au plus profond de moi que cet amour que je ressens pour toi sera réciproque. Afin que nous puissions convoler, il y en a certains qui me disent en juste noces, et d'autres qui me disent vers notre amour, que nous puissions convoler vers notre amour. C'est à tes côtés que je me sens libre. Je me libère et je guéris de mon passé. Je ne croyais plus en l'amour. J'ai été terriblement blessée par le passé, par tout ce que je pouvais ressentir par les gens, pour les gens, pour les gens, pour les personnes. Il y en a une en particulier qui m'a profondément fait souffrir. Mais grâce à toi et grâce à l'amour que je ressens pour toi, je me libère de tout ça et je reprends confiance en l'amour. Je reprends confiance en la vie. J'ai envie de m'ouvrir à l'amour. Et je n'ai plus envie d'avoir peur. C'est toi qui m'aides à surmonter mes peurs. Tu m'éveilles à la grâce, tu m'éveilles à la douceur, tu m'éveilles à la tendresse. Je rêve très souvent de toi. C'est d'ailleurs à tes côtés que je me sens à ma juste place. Il y en a un qui est en train de me dire, tu es vraiment à des années-lumière de savoir ce que je ressens pour toi. Je ne peux pas arrêter cet amour qui est en vie. J'ai pourtant essayé, j'ai eu peur de souffrir et j'ai eu peur de me tromper. J'ai eu peur de la non-réciprocité. J'ai eu peur que tu ne ressentes pas la même chose pour moi. Mais aujourd'hui, je suis prêt à prendre le risque de tout avouer parce que j'ai vraiment besoin de me libérer. Il faut que je me libère, il faut que je sache ce que toi, tu ressens pour moi. Je suis prêt à prendre ce risque. Parce que de toute façon, si tu ressens la même chose pour moi, eh bien nous pourrons enfin nous lancer dans un autre lien que la complicité qui nous unit aujourd'hui. Nous pourrons franchir cette étape et commencer une véritable et belle histoire d'amour. Et si tes sentiments à mon égard ne sont pas réciproques, eh bien je pourrais me libérer de mes illusions. Bien sûr, ça me fera mal. Mais aujourd'hui, je préfère savoir. Je ne veux plus vivre dans l'illusion, je veux vivre dans la réalité. Je n'ai pas envie de passer à côté d'une belle histoire d'amour parce que je n'aurais pas osé me déclarer à toi.
Ah, c'est chouette. C'est le divin, c'est l'univers, ce sont les anges, ce sont les guides qui me poussent à te dévoiler ce que je ressens pour toi. Il est temps que je me libère le cœur. Il est temps de te partager tout l'amour que j'ai pour toi. J'ai l'impression de te connaître depuis des vies et des vies. J'ai l'impression d'avoir retrouvé mon âme sœur. Au fond de moi, je sais. Au fond de moi, je sais que ce n'est pas la première vie. Ce n'est pas la première vie que je t'aime. Je t'ai déjà aimé par le passé. Je le sais, je le sens. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma moitié. Mais le seul moyen pour moi aujourd'hui que cela se concrétise réellement, c'est de t'avouer et de te dévoiler tout ce que je ressens au fond de moi. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Je ne sais pas encore par quels moyens. Mais je sais que je suis à deux doigts. De tout te dire, de tout te dévoiler. Et de te faire la déclaration d'amour que tu n'attends peut-être pas. C'est beau, oh, c'est chouette. On va voir un petit peu ce qu'ils ont à dire avec l'oracle à haute vibration. Mais alors là, je peux vous garantir que oh, c'est mignon comme tout. J'adore. Ouais, j'adore. Alors, les petites signes, qu'est-ce que ces personnes ont à dire? Alors, quels sont les messages de leurs autres là, pour tous ceux et toutes celles qui m'ont regardé cette vidéo? Quels sont les messages de leurs autres pour tous ceux et toutes celles qui m'ont regardé cette vidéo? Oh là, il y en a trop. Ouh, il y en a beaucoup trop. Non, ça va, ça sera tout. Ok. Alors, déjà quelques messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Souhaite-toi le meilleur, change de regard et visualisation créatrice. Ok. D'accord. D'accord. Tu n'imagines pas tout ce que j'imagine avec toi. Tu es dans chacune de mes pensées. Je pense à toi H24. Je n'arrive pas à me sortir. Je n'arrive pas à te sortir de mes pensées, de ma tête, de mon cœur également. Je ne cesse de visualiser le moment où je vais te déclarer tout ce que je ressens pour toi. J'imagine tout un tas de scénarios. Je suis un véritable Spielberg. Je suis un véritable réalisateur. Il y a le scénario où tout se passe bien, où tu te jettes dans mes bras, où tu me réponds que tu ressens la même chose pour moi, et où je te donne mon premier baiser. Il y a le scénario où tu me dis c'est trop tard. Je suis passée à autre chose, il fallait te réveiller avant. Tu as mis trop de temps. Et je n'ai plus ce genre de sentiment pour toi.
Ce scénario-là ne me fait pas plaisir, mais je le comprends. J'ai mis beaucoup trop longtemps. Et je mets beaucoup trop longtemps à te dire ce qui vibre au fond de moi depuis des mois, voire des années. Il y en a certains qui me disent des années. Je vois le scénario où tu me dis, je suis désolée, mais je ne ressens pas du tout la même chose pour toi et je ne veux pas perdre notre amitié. Ça m'attriste profondément. Je me vois les bras ballants devant toi, gênée. Mais à la fois libérée d'avoir eu le courage de te dire ce que je ressentais réellement pour toi. J'essaye de prendre du recul, j'essaye de prendre de la hauteur. C'est pour pouvoir mieux me lancer. J'essaye d'observer tes moindres faits et gestes. J'essaye d'observer ton regard, tes mimiques vis-à-vis de moi pour déceler chez toi une porte ouverte, quelque chose qui m'indique que je peux me lancer, que je peux tout avouer. J'essaye de déceler chez toi le bon moment pour pouvoir te faire cette déclaration. J'essaye d'attendre ce moment où tu seras à même de recevoir ce que j'ai à te dire et en apprécier toute la douceur, toute la tendresse, mais surtout toute la sincérité. Je sais que pour pouvoir recevoir ton amour, il faut que je te le donne, il faut que je te le dise, il faut que je te le révèle. Avec toi, et dès que je suis dans mes pensées avec toi, c'est-à-dire tout le temps, je souris à la vie. Aujourd'hui, enfin, je me souhaite le meilleur, et le meilleur est à tes côtés. Mais je nous souhaite également le meilleur. Et ce, quelle que soit ta décision par rapport à la déclaration de sentiment et d'amour que je vais bientôt te faire. Là, ils sont trop mignons. Franchement, ça leur demande du courage. Hein. Je vous le dis, là, franchement, ça va vraiment leur demander du courage. Donc, ouais, ils sont mignons. Ils sont mignons comme tout, quoi. Ils sont mignons, mignons, mignons comme tout. Bon, écoutez, chers amis, je vais m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous là maintenant, mercredi. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, eh bien, écoutez, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, car tous mes oracles se commandent directement chez l'imprimeur. Il reste environ une quinzaine de jours pour l'oracle Summertime. Alors, petite précision, parce que j'ai reçu un mail dans ce sens-là, la seule offre de lancement pour l'oracle Summertime, c'est quand il est sous film plastique, hein, d'accord? La version boîte, son prix ne changera pas. Je n'ai pas pu faire d'offre de lancement parce que quand on le commande avec boîte et même moi au niveau du tarif de fabrique, c'est impossible de faire une offre de lancement. Voilà, je le mets au plus bas que je peux parce que sinon je perds trop, je perds beaucoup trop. Donc du coup, non, l'offre de lancement est uniquement pour l'oracle Summertime, mais quand il est sous film plastique, sans sa boîte. Hein, d'accord? Voilà. Donc là, il reste une quinzaine de jours avant que son prix augmente. Néanmoins, il y en a des autres, des oracles, hein, il y en a tout plein. J'en ai créé 8 en tout. Je vous laisse aller regarder ça tranquillement. Et puis, moi, je vous donne maintenant rendez-vous mercredi. Voilà, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo va en concerner le plus grand nombre parce que là, je peux vous en garantir, je suis entourée d'amour. Hein, et d'amour qui n'a pas encore été déclaré. Vraiment, ça, on était plutôt là-dedans là aujourd'hui. Hein, donc, il va y avoir des vraies et des très belles déclarations d'amour.
J'espère de la part de la personne de votre cœur. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort et puis prenez soin de vous et je vous dis à mercredi. Ciao, ciao.